Pour sa première action RDC, l'ASBL Thérapeutique Europe a remis ce lundi 31 janvier à l'hôpital général de référence de Njili 18 lits d'hôpitaux pour améliorer la capacité d'accueil en hospitalisation dans le service de médecine interne. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la commune de Njili ainsi que des autorités de cette formation hospitalière. Le confort des patients en hospitalisation à l'hôpital général de référence d'Njili sera amélioré. Ceci grâce à l'appui de l'ASBL Thérapeutique Europe. Cette association, qui regroupe les anciens étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN, promotion 2001-2002, évoluant en Europe, a pour sa première action en RDC remis 18 lits d'hôpitaux en bon état pour augmenter la capacité d'accueil dans cet hôpital de référence. Cette action rentre dans le cadre des objectifs de cette ASBL, entre autres l'entretien d'un climat d'entraide et de collaboration en vue d'apporter des solutions pratiques aux problèmes de santé des communautés à travers le monde et particulièrement en Afrique. Bien que modeste, ce geste revêt une importance capitale pour Thérapeutique ASBL. Nous avions trouvé ces lits auprès d'un partenaire qui est l'hôpital Sainte-Anne. Et lorsque nous les avions reçus, nous avons fait une première étude sur terrain. Les lits qu'ils avaient, c'était des lits vétustes. Et c'était une salle qui n'était pas vraiment acceptée par les malades, parce que les lits n'étaient pas dans les bonnes conditions. Nous reviendrons de temps en temps pour non seulement faire les suivis, mais aussi faire une analyse situationnelle de l'hôpital. Le médecin directeur de cet hôpital salue ce geste qui va contribuer à l'amélioration de la qualité des soins des patients. Nous avions un sérieux problème des lits. Et avec ces lits de qualité qui peuvent prendre beaucoup de positions pour nos malades, tant ceux qui ont des problèmes respiratoires, cardiaques, qui doivent nécessiter des positions adaptées, beaucoup de gens y promettent, ils ne réalisent pas. Mais avec Thérapeutique Europe, ils ont promis et ils ont réalisé. Ce n'est pas un motif pour revoir le coût à la hausse. C'est pour améliorer la qualité des soins. Le représentant de l'ISTEM, qui assure la gestion de cet hôpital, le personnel administratif, les médecins et infirmiers, étaient tous témoins de cette action de THE Europe. Chaque fois que les malades occupaient les lits des urgences et que nous devions les amener en médecine interne, ils étaient un peu réservés parce qu'ils changeaient de conditions. Alors pour cela, avec les dons que nous venons de recevoir des thérapeutes, nous sommes en train de résoudre cette grande question qui concerne la satisfaction des besoins des malades par rapport à l'occupation des lits. Thérapeutique ASBL promet de mobiliser plus de ressources, non seulement financières, mais aussi humaines, notamment pour le renforcement des capacités des prestataires des hôpitaux. Ceci pour continuer à apporter des solutions aux problèmes des communautés.